et dans le monde entier. Je suis née en Chine. Là-bas, une tandipiste s'appelait Nifong, et c'était un aliment de subsistance. Et puis, direction la Mongolie. Le parfum des épices. Tellement gourmand, j'ai même ramené le garde-manger. L'épice se vendait à prix d'or. La capitale du pain d'épices, l'artisan du village m'appelait. Et je me sentis tellement bien que je m'installais ici. Et puis, direction la route. Regarde là sur la table.